Bonjour, Cyril Delaballe, responsable de la supervision des services. Bonjour, Shifté Soleil, je suis responsable opérationnel de la supervision des services. Par supervision des services, on entend la supervision des services de tous nos clients, grand public et pro, comme l'Internet, la télévision, le mail, le mobile, le banking, tous les services d'Orange. Dans cette salle à Paris, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est managée par 8 responsables opérationnels de supervision et des équipes de superviseurs. En tout, ils sont une quarantaine. Il y a deux types de supervision. Une supervision plus technique, où on supervise les équipements du cœur de réseau mobile et aussi les plateformes de service. Et une supervision des services, une supervision de bout en bout, où on regarde le fonctionnement de nos services tels que le perçoivent nos clients. Par exemple, si je prends le cas d'un incident à la télévision, un incident sur la télévision peut avoir différentes origines. Ça peut être le diffuseur, ça peut être sur nos plateformes de la télévision, ça peut être depuis le décodeur. Nous regardons le service tel que le perçoit le client. Le rôle de la supervision des services d'Orange France est de superviser tous les services qu'Orange France propose à ses clients, sur tous les domaines, VoIP, Internet, mobile et la télé. Donc nous, on classifie les différentes classes de services, services premium, standard et light. Les services, on classifie les services en termes d'importance pour nos clients. Par exemple, pour une chaîne télé, une chaîne à forte audience pour nos clients est considérée comme un service premium qui est supervisé 24 heures sur 24. Les services standards sont supervisés en ouvrable de 8 h à 18 h ou 20 h et les services light sont supervisés via nos partenaires externes ou via la remontée des plateaux clients. Nous avons différents moyens de détection des incidents chez nous. Le principal et via un système d'alarme. Les alarmes sont remontées via les robots et les sondes. Les robots sont les serveurs qui simulent l'utilisation d'un service par le client. Par exemple, le robot teste une chaîne télé toute la journée, les chaînes principales de live, et s'il tombe par exemple sur un écran noir, en absence de son ou une image figée, il nous remonte une alarme. Les sondes sont les scripts qui analysent l'efficacité du trafic en temps réel et sur un dépassement de seuil, il nous remonte une alarme. Par exemple, nous avons des sondes qui sont installées directement dans les box des clients et qui nous remontent une alarme sur une efficacité faible ou nulle. Le deuxième moyen de détection des incidents pour nous, c'est grâce à notre support niveau 3. En fait, ce sont les cas compliqués et complexes des clients qui n'ont pas pu être résolus par le support niveau 1 et niveau 2 qui sont remontés vers le niveau 3. Niveau 3 effectue une corrélation entre les différentes signalisations unitaires des clients et ouvre et nous envoie une suspicion d'incident collectif. Nous pouvons également superviser les services via nos partenaires externes, comme par exemple notre diffuseur télé qui peut nous envoyer une notification d'incident sur une anomalie sur sa chaîne. Nous pouvons également recevoir des tickets par le DRCGP, qui est la direction relations des clients grand public, ou par les réseaux sociaux. Donc finalement, peu importe le moyen de détection des incidents, la première étape pour nous consiste à le reproduire. Ici dans la salle, on a tous les bons tests nécessaires pour effectuer un test vu client. On peut se mettre dans la peau réellement de client. Nous avons par exemple pour la chaîne télé, nous avons les différents accès télé, nous avons les différents box, box ADSL, fibre, accès satellite, nous avons les différents forfaits mobiles, nous avons les smartphones, nous avons les téléphones plus anciens pour effectuer un test de. Pour le service mobile, nous avons les différents accès pour effectuer un test web mail ou un test web. Donc, le rôle ici dans la supervision est qu'une fois qu'on a détecté l'incident, le superviseur effectue un test au service. Une fois qu'il constate le problème, parce que tout simplement, le robot peut se tromper. Par exemple, le robot qui peut prendre une image figée pour une image fixe nous remonte une alarme. Dans ce cas, le superviseur effectue le test. Si, avère l'incident, on ouvre un ticket. On active les différents pôles concernés. On informe le carrefour de l'information en parallèle qui gère la communication de l'information vers le management, vers les plateaux clients, mais également vers les abonnés et les exploitants qui gèrent les équipements. Ensuite, nous sommes le pilote de rétablissement de l'incident. C'est-à-dire, tant que l'incident n'est pas résolu, on clôt pas le ticket car nous avons les moyens de vérifier le retour de service chez nous.
Nous avons deux outils principaux de supervision. Le premier est l'outil de supervision des services. C'est un outil via lequel on peut remarquer une interruption ou perturbation de service. Toutes les alarmes sur nos outils sont liées à une fiche consigne dans laquelle est indiqué le process spécifique de test demandé, mais également les différents pôles concernés. Donc le superviseur suit cette fiche, effectue son test. Si l'incident est avéré, il pôle le pôle concerné. Sauf que dans certains cas, une fois qu'on active le pôle concerné, aucune anomalie est remarquée par ce pôle. Dans ce cas, la valeur ajoutée que nous avons chez Orange, c'est que nous avons accès à une chaîne de soutien qui est accessible par tous, via laquelle on peut voir, pour un service donné, tous les pôles, toutes les équipes concernées par un service. Dans ce cas, si le premier pôle qui voit aucune anomalie sur ces équipements, on active d'autres pôles. On peut ouvrir un pont technique pour ramener tous ces pôles pour discuter entre eux. Donc ensuite, tout est tracé dans une fiche consigne, dans une fiche de suivi, qui est une sorte de main courante chez nous. Comme l'équipe travaille en 3-8, donc il est important de tracer tout en détail pour que l'équipe qui remplace l'équipe précédente puisse avoir accès en détail sur tout ce qui s'est passé avant. Donc ensuite, on devient le pilote de rétablissement de l'incident pour les incidents pour dans une journée très chargée, par exemple, qu'on a beaucoup d'alarmes. L'OROS peut être amené à prioriser entre les différents incidents. Donc via notre référentiel, comme on a les incidents premium, standard et light, on peut prioriser la résolution d'un tel incident par rapport à d'autres. On peut également escalader vers les différents services afin de connaître quel est le dysfonctionnement, etc., et puis mettre en ligne l'information. Et donc le deuxième moyen de superviser chez nous, c'est un outil de supervision technique qu'on appelle TMC. Toutes les alarmes qu'on reçoit sur cet outil sont également liées à une fiche consigne. Donc l'activité sur ces outils sont assez simples. Ce sont les alarmes sur un dysfonctionnement logiciel ou matériel. Comme par exemple, on peut avoir une alarme sur un disque dur qui est plein, le fichier log qui est plein, ou le CPU qui est à 100%, etc. Donc dans ce cas, sur cet outil, on crée un ticket via un outil de ticketing qu'on a. D'ailleurs, pour toutes les alarmes, nous utilisons le même outil de ticketing, qui est un outil commun de ticketing chez Orange, qui est disponible par toutes les équipes chez Orange. On crée un ticket et puis on active le pôle. Comme sur certains alarmes dans cet outil, l'activité est assez simple, nous avons procédé à l'automatisation. Donc on orchestre les alarmes, donc les alarmes arrivent dans le pack, ensuite un ticket est créé automatiquement et envoyé vers le pôle. L'identifiant de l'équipe concernée est tagué sur ce ticket et envoyé. Donc, de ce fait, ça nous permet de profiter, de ne pas perdre de temps pour nos superviseurs afin d'utiliser sur d'autres incidents plus urgents pour avoir la présence de superviseurs. Alors, les métiers associés à la supervision. Il y a deux types de métiers, les métiers temps réel. Alors, dans les métiers temps réel, il y a le responsable opérationnel de supervision, qui est le manager opérationnel de la salle de supervision. Il suit l'activité de ses superviseurs. En cas d'incident très grave, il peut procéder à une escalade. Il est là en soutien, parce que tout n'est pas obligatoirement bien processé, donc il est là en soutien à ses superviseurs. Le deuxième métier temps réel, ce sont les superviseurs qui sont là pour prendre en compte les alarmes et déclencher les bons intervenants. Et on a un troisième rôle qui est l'incident management, donc une équipe dédiée en heure ouvrée au rétablissement des incidents. Et en heure non ouvrée, ce sont les ROS qui reprennent ce rôle-là. Et puis il y a une deuxième catégorie de métiers pour faire fonctionner cette supervision, ce sont les métiers, on va dire, non temps réel. Alors le premier, ce sont les responsables performance supervision qui sont là pour faire le lien entre la salle temps réel et le reste de l'entreprise. Quand on constate un dysfonctionnement dans nos outils, dans nos fiches consignes, etc., dans la salle temps réel, c'est remonté à ces responsables performance supervision qui vont le prendre en compte
et le traiter avec les différentes personnes, les exploitants, etc. Il y a aussi un autre métier qui est la partie outils, on va dire les soutiens outils. Pour faire fonctionner cette salle de supervision, on a besoin, comme vous l'avez vu, beaucoup d'outils, que ce soit pour nos bancs de test, mais aussi nos outils d'alarming, la configuration de ces outils. Et bien sûr, le dernier intervenant, ce sont les exploitants, donc nos experts niveau 2, niveau 3, qu'on peut déclencher suite à la détection d'une alarme. Un autre partenaire, un autre métier temps réel, bien sûr, ce sont toutes les autres supervisions qu'on peut être amené à contacter selon la nature de l'incident, la supervision des réseaux, la supervision des infrastructures ou même nos collègues du système d'information.